Rossiane, tu pourrais me dire pour le son, parce que j'ai lancé une playlist, mais j'ai pas de retour sonore sur le bureau. Alors, si tu pouvais me dire si tout fonctionne bien. Déjà, je vais le mettre à fond, ça. Ouais. Le lecteur média gueule un peu, d'après les jauges. Attendez, c'est un peu le bordel, là. Je vous avouerai que c'est carrément le bordel, j'en ai un peu partout. Tiens, je vous envoie des glitches. Ça vous apprendra. Polio Zerakai, mon écran est super loin donc je vais avoir du mal à lire les pseudos. Je vais me mouiller l'éponge, je reviens. Du fer à souder, bien sûr, pas la mienne. Où est le micro? Donc vous pouvez me dire pour le retour sonore comment c'est. Je sais qu'il n'y a pas le son du jeu, que je devais faire des compromis. Donc dites-moi s'il vous plaît si le son de Sonic 2 ne vous explose pas les tympans. J'ai pas un autre jeu là sous la main? J'ai pas un autre jeu à la place de Rambo 3? Ah bah si, il est là. Alors, on va voir si ça fonctionne. On entend ma voix. Ouais, mais on l'entend bien par rapport à la musique. Ouais, mais ça fonctionne. J'ai un petit peu organisé tout ce bordel à la volée, en fait. Et vous entendez suffisamment la musique? C'est la dernière question, en fait. C'est la dernière question, on y va. On y va. Non, ça va. Du coup, je vais vous envoyer des glitches pendant que le fer à souder chauffe. Bon, là, le grand défi de ce soir, c'est de réussir à me bidouiller cette merde sans me cramer le petit câble du micro. Voilà, je crois celui-là, qui se balade constamment devant moi. Si je ne le crame pas avant la fin de cette petite heure, ce sera un miracle. C'est bon, le fer à souder chauffe. Ça, toi, merci. Donc voilà, on va. Je vais attendre un petit peu. Je suis pas encore prêt. Où est mon. Voilà, il est là. Je suis en train de faire un petit tour pour voir si j'ai tout ce qu'il me faut. La caméra ne s'est pas cassée la gueule. Je vous envoie un petit glitch dans la mouille. Il est très mignon. Ah merde, trop tard. J'ai pas la manette. Ah bah si, il lève là. Donc, à l'origine, je voulais préparer ce soir pour vous faire ce petit truc demain. Et bah, visiblement, j'étais assez vaillant. Généralement, quand on met une manette, ça fait planter le jeu. Non, c'est bon. Voilà, donc on a une manette. On a une manette, je vous envoie un petit glitch à la gueule avant de commencer. Allez, prenez ça. C'est magnifique, c'est sympa. Alors moi, je vais prendre cette merde. Je suis en train de faire un petit tour de tout le peu de matos qui me reste. Je suis un petit peu à la rue, là. Je suis en train de récupérer des câbles que je trouve à droite à gauche. Je sais pas si ça va suffire. Car en fait, j'ai reçu ceci aujourd'hui. Où est la caméra? Des petits interrupteurs en direct de la Chine. Et j'ai envie de tester ça tout de suite. Et j'ai cassé le sachet. Putain, ça commence bien. Ça commence bien. D'ailleurs, pour ceux qui se le demandent pas, c'est Sonic & Knuckles qui tourne et qui actuellement est très joli une fois glitché. J'aime beaucoup le résultat. Je sais pas pour vous. C'est agréable. Donc, on va... Il me faut du scotch, par contre. Il me faut du scotch. Quoique non, ça ira. On va l'éteindre. On va y aller tout de suite, parce que sinon, j'en ai pour la soirée. Et donc, l'objectif, c'est de refaire les câblages.
Ça va être trop faire les cas. Tu m'as fait l'annonce, Basilic, d'ailleurs, j'ai même pas pensé à partager. Oui, c'est un petit peu à l'arrache. D'ailleurs, il y aura une relative soirée, on va dire, aujourd'hui. Vu qu'après, on va streamer du. Comment ça s'appelle ? Du Insurgé avec Russian. Suivi de Survarium. Peut-être, s'il arrive à lancer le jeu. Je suis en train. Te presse pas, hein. Te presse pas, de toute façon, moi, il faut que je démonte cette merde. D'ailleurs, tu peux, si tu veux, pour l'annonce, tu peux prendre un screen du live pour qu'ils comprennent ce qui se passe. J'ai pas mis de bocal pour. Attendez. Voilà, on va mettre les vis là. Encore que non, il me faut un bocal parce que je vais les faire tomber. Je me connais. Je reviens. La vis là-dedans et on démonte. Donc je vais essayer de rien cramer, je sais pas pourquoi. Ouais, si c'est bon en fait. Je me demandais pourquoi il n'y avait plus l'image du jeu, mais en fait le jeu je l'ai un peu enlevé. Il reste des vis. Et donc vous allez avoir l'opportunité de voir du circuit bending en direct. Voilà. Oui, je lui tape un petit peu dessus. D'ailleurs, dites-moi toujours si le son de la musique n'est pas trop forte et si elle est toujours là. Que je fais vraiment. Je mets vraiment pas le nez dessus. Et j'ai pas de retour bureau. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça. J'ai l'impression que la caméra est un petit peu trop. On va la tourner en espérant ne pas faire tomber l'ordi. Ça me fait un petit peu mal au cul. Voilà. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, moi. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas arracher les câbles. Ce que j'ai déjà fait un nombre incalculable de fois. Vu qu'ils sont un petit peu tendus. Les câbles, bien sûr. Qu'est-ce qui coince? Voilà, comme je vous le disais. Ouais, je peux même pas tirer. Ça commence bien. Va-t'en, s'il te plaît. Voilà. C'est le premier câble dessoudé de la journée. Voilà. Il faut que je trouve du scotch, moi. Sinon, je vais perdre ces connexions. Ou alors, je vais faire des nœuds. On va faire des nœuds de câble. C'est pas le meilleur truc à faire, mais bon. Voilà. Un petit nœud. On va en faire un second. Oui, c'est Atelier Cuisine. C'est tout. Et je vais partager l'annonce pendant que ça continue de chauffer. Je sais pas si la qualité de la webcam est très, on va dire, performante. Mais on va faire avec. Hein. On va faire avec. Donc moi, je vais continuer de dessouder mes trucs. En espérant ne pas cramer le bouton. Ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà. J'arrive même pas à afficher Facebook, en fait. Donc j'espère que c'est bon, Basilic. Faire un petit nœud. Faire un petit nœud. Voilà. Ah, allez, plus que deux. En tout cas, j'en ai racheté en cas où. Voilà. On dirait pas, mais c'est super précis cette merde. C'est super précis. Bon, pour l'instant, on se fait un peu chier parce que j'ai pas encore retourné la bête. Et donc on n'est pas encore en train de tester les différents types de trucs qu'on pourrait faire. Là je suis juste en train de démonter l'existant. Et le dernier, je ne suis pas encore cramé. Oh, bah ça commence. Putain de merde. Voilà, c'est bon. Faudrait mettre un compteur de nombre de fois où je me suis cramé le doigt. Il pourrait très vite monter. Et on fait le dernier nœud. Voilà. Donc ça c'est bon, je peux l'enlever. Donc c'était la carcasse avec les différents boutons que j'ai greffé. Et je retourne sur Facebook, excusez-moi deux secondes.
toujours pas. Et donc, désormais, on va... Il est où mon tournevis? Il est là. On va s'attaquer à la garde-mère. Donc, on va lui retourner sa race pour avoir accès aux différents connecteurs de la VRAM. Pourquoi j'ai remis toutes les vis la dernière fois, d'ailleurs? Ça sert à rien. Minimum 20, non, quand même pas, faut pas abuser. Je dirais au moins 3-4 fois. Et j'ai surtout peur, en fait, pour le câble du micro qui se balade. Qui se balade juste devant le fer à souder. Donc lui, il risque de passer à ma gauche. Et la dernière. Allez, viens là, toi. Et donc là, on peut voir ma magnifique construction en Lego. Qui permet de retourner la carte sans l'abîmer. J'ai oublié une vis. Non, j'ai pas oublié une vis. C'est bon, allez, viens là, toi. Et ça, on peut le virer. Bon. C'est là où on va commencer à s'amuser. Je vais la mettre dans quel sens? Je vais la mettre comme ça. Tiens. Et j'ai enlevé trop de Lego, j'ai l'impression. Pourquoi ça? Ah, il n'y a pas le même niveau, je suis con. Attendez, il me manque des Lego. Voilà. Bon, c'est super pratique comme support, on dirait pas comme ça, mais je sais pas comment je ferais sans. Encore une fois, un petit tour. Je sais pas ce que tu es en train de nous écrire, Basilic, mais ça a l'air super long et intéressant. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Faudrait que je trouve un pins intéressant. Faut que je trouve un câble qui existe encore, en fait. Comme lui, là, il n'existe plus. En train de voir si j'ai pas cramé un truc de là. J'ai oublié le plan par contre. Attendez, je vais chercher un truc. Ça m'évitera de cramer le reste. J'aime beaucoup ton montage, il me fait rire. Il est rigolo. Donc j'ai cherché ceci. Je ne vois plus le retour. Je sais pas ce que je vous montre là. Voilà, ceci, un plan avec une magnifique trace de sang que vous pouvez voir là, qui ressemble à un A. Et donc c'est le plan de la VRAM. Et ça m'évitera de court-circuiter un truc sur du 220 volts. Que j'aimerais pas décéder en direct, en fait. Bon, on va éviter en tout cas de décéder en direct. Donc il faut juste que je repère les cosses sur lesquelles je peux m'amuser. À peu près toutes, à vrai dire. Je vais juste partager ton truc, Basilic. Ça m'a fait un petit peu rire. Voilà. Voilà, on va partager en direct. La gueule de Megadrive. C'est Megadrive 1 que t'as mis. Un culte. Voilà. Bon. Alors, objectif, souder ces merdes et de tester ces nouveaux interrupteurs. Et je vois pas grand chose. Et j'aurais bien réussir. J'ai pas de lumière, en fait. Je crois que je vais faire beaucoup d'aller-retour. Je vais chercher une lampe. Bah, je peux pas. Parce que j'ai plus de prise. Ouais, c'est super, ça. Donc, on va se démerder comme ça. Toi, t'es bien tout soudé, voilà, bon. On va mettre un autre, tiens. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter des câbles... Je grésille. Ce serait pas mon fer à souder qui grésille? Est-ce qu'on l'entend bien? On l'entend bien. J'arrive pas à dessouder un câble, je sais pas... J'arrive pas à dessouder un putain de câble. Voilà, putain. C'est assez ridicule. On va l'émailler un petit peu. J'ai mis où là l'étain? J'ai mis là. C'est des parasites audio. Ils sont assez conséquents, les parasites audio.
Je me concentre un peu. J'arrive pas à l'émailler, putain de bordel de merde. C'est pas ma journée, hein. Et toi, t'es comment, toi? Toi, t'es joli, toi. Toi, t'es joli. Alors, on va te mettre là, parce que moi, les trucs jolis, je les mets là. Voilà. Il m'en faut un troisième. Non, il m'en faut encore six, je crois. Donc, l'intérêt, c'est de jouer avec des mini-interrupteurs. Encore un peu, je... Bah, c'est le fer, en fait, qui grésille. Il doit pas aimer. Bon, je vais le laisser loin. Donc voilà, ce sont des petits interrupteurs qui ont été fabriqués par les mains expertes de petits chinois âgés de 14 ans. Ah, y a pas à tortiller du cul, avec leurs petites mains, ils font des merveilles. 50 centimes cette merde quand même. Ou quand ils touchent la carte mère. Non, je l'ai débranché la carte mère. Tu m'as fait peur. Si je commence à bosser sans débrancher la carte mère, je vais pas terminer le stream. Par contre là, il me faut le plan. Il me faut le plan. Vas-y, envoyez le truc à Real Myop. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis en train de me triturer les doigts. Enfin, grâce. En partie à cause, on va dire. Ah bon. Je vais essayer. Oh non, toi, tu t'es mal soudé, toi. C'est bon. Et encore un, et après, le prochain câble... Ouais, faut envoyer un mail à Real Myop, il va vous répondre rapidement. Hein. S'il vous aime bien. Il me faut un dernier câble. Il me faut un putain de dernier câble, s'il vous plaît. J'ai plus de câble. On va... Voilà. Ça, c'est bon. Lui, il est bon. Il est un peu gros, par contre. Là, je peux le mettre. Je sais plus. Je me souviens plus de la nomenclature de la... J'ai failli cramer le micro, putain de bordel de merde. Je me souviens plus de la nomenclature de la carte. C'est bon. Donc là, on a 4 câbles. Va-t'en, câble. Va-t'en, micro. Voilà. Casse-toi. Merci. Donc voilà, à partir de ces 4 câbles, on va pouvoir relier... On va pouvoir relier... 2 petits interrupteurs en série. Et donc, la particularité du montage, c'est que par la suite, on pourra donc choisir les interconnexions à la volée. Et non plus grâce à des boutons, on pourra choisir... Arrêtez, c'est pas ma faute. J'y suis pour rien. Bon, j'ai encore jamais soudé ces trucs. C'est vraiment la première fois que j'y touche. Vas-y, ça fait du bruit. Ça fait vraiment du bruit. Je suis pressé de voir ça en montage, en fait. Putain, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, les trucs. Il faudrait que je trouve une pince, en fait. Il faudrait que je trouve un moyen de le... Ah, voilà, comme ça. Attendez, j'y arrive pas. C'est un peu la honte, quand même. Ne pas réussir à souder un putain de câble. J'ai rien pour le maintenir. Comment je pourrais le maintenir? J'ai pas de trou suffisamment gros. C'est un peu ça, c'est un film de boule pour geek. je pourrais le... Non, je vous cache la vue, là. Avec des Lego, je sais pas. Il faut que je le fasse, en tout cas, donc... La mouche, mais il était super la mouche. Allez, Goldblum avec un dard, quoi. C'est super. Rentre là-dedans, toi. Rentre là-dedans, putain. Je vais essayer de l'émailler un peu. Voilà. Donc on est toujours à 1. Je tiens qu'il y a le concours de la soirée. C'est combien de fois je vais me cramer un doigt. Et combien de petits interrupteurs je vais cramer. C'est la question. Pour l'instant, j'en ai cramé aucun. J'ai pas cramé de bouton. On va tester une autre manière un petit peu empirique. Vu qu'on a parlé de corps de Vandal, on va parler de Real Myop. Oh là, je sais pas du tout comment je peux. J'ai pas de pince, en fait. Si quelqu'un veut bien m'acheter un truc, c'est une putain de pince. Je cherche qui est autour de moi qui pourrait me servir. De quoi vous parlez? Je sais pas. Parce que là, les trous sont un petit peu petits. Attends, je vais quand même pas me laisser abattre. Oui, il me faut une pince avec une loupe. Donc pour l'instant, moi, ma loupe, c'est ça. C'est pas super pratique.
Non, ça a aucun rapport avec la passe Monseigneur, Luciane. Ah, j'ai pas réussi, j'y suis presque. Non, je vais pas y arriver. Il faut que je trouve un moyen de le coincer quelque part. Là c'est trop petit. Là c'est trop gros. La pince bouge. Ah putain, je suis... Ah si, j'ai une idée. J'ai une putain d'idée. On va le coincer. Comme ça. Bon. Maintenant, tu me fais plus chier. S'il te plaît. C'est bon, putain. Et 5 minutes pour souder un putain d'interrupteur, qui dit mieux? J'espère que je l'ai pas grillé à force de toucher avec la panne. Du coup, Océane, vu que tu es là, peux-tu nous dire aux personnes qui nous écoutent le reste, va nous dire, écrire plutôt, ce qui est prévu pour le reste de la soirée? Vu que ça avait l'air de être plutôt intéressant. Enfin, je crois. Je suis pas sûr, moi, je m'intéresse pas trop. Ouais. Donc celui-ci, on va le connecter là, si tout se passe bien. Et comme jamais ne se passe, il me faut... J'ai plus beaucoup d'étain en plus, c'est un peu la loose. On va buter des... On va buter des Arabes et des quoi? Et des Russes. J'ai designé le programme. Et pour l'instant, on fait une orgie de merde. J'arrive pas à souder. Ah, ça sent le plastique! C'est mal parti. C'est putain de mal parti. Ça va, elle a pas encore crié la Mega Drive. Là, je suis pressé de terminer ces petits interrupteurs pour vous montrer en temps réel ce que ça donne. C'est quand même plus intéressant de voir du gameplay. Et j'arrive pas. Ah, j'y suis presque. Je me suis encore cramé un doigt, putain de bordel. Ah, presque. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Va te faire enculer, câble. Mais Lego Foxy, ils sont superbes. Je pourrais pas bosser sans Lego. Bon. C'est un trait d'esprit. Ah, c'est bon. Je crois... C'est trop la loose. Ah, mais je sais pas ce que c'est. C'est... Putain, le connecteur est chaud. C'est pas bon, c'est très très pas bon. Le grand connecteur est chaud, putain. Ça veut dire qu'on a trop laissé la panne sur le bordel et qu'il commence à cramer. Peut-être en le faisant passer dans le trou. Faut que je trouve une méthode acceptable. Parce que des câbles comme ça, j'en ai encore 4 à souder ensuite. Putain de bordel. De merde, rentre là-dedans. Vas-y, rentre là-dedans. Ah, c'est bon. Bon. Maintenant, ça devrait être plus sympa. De l'éteint, s'il vous plaît. Merci. J'essaie de lui donner une conscience, en fait. Je vais déjà trouver un petit nom. Je vais l'appeler Al, je crois. C'est singulier comme nom. Ah, mais. Alors, soit leur putain de câble, ils ont un problème. Là, ça tient pas. Et puis créer une intelligence artificielle avec deux bouts de câble et un condensateur. Moi, je dis bon. Putain, c'est une blague. C'est une putain de blague. Bah, c'est bon là. Oh, mais il se fout de ma gueule ce câble. Je suis sûr que le truc, il est cramé en plus. Je sais pas si vous allez l'entendre ça. Non, peut-être. Tu l'entends? Ça fait du bruit. On va voir si j'ai cramé le cap, tiens. Non, c'est bon. Ah, peut-être. Visiblement. Visiblement, on a cassé notre premier interrupteur.
peut tester avec un autre. Peut-être que la tension est trop forte. On dirait un chaton qui... Putain, mais ils font chier ces câbles. C'est très bizarre, tiens. C'est très bizarre comme bordel. Faut que je trouve... Voilà. En tête dedans, toi. Il est coupé, le truc. Attendez, je les ai quand même pas cramé les deux, c'est pas si sensible. J'ai jamais cramé des trucs aussi rapidement de ma vie. Et pourtant, j'en ai cramé des bordels. On va l'actionner. Non, non, c'est juste que là, la tension, elle a du mal. Ah non, je suis con, c'est des... Ils sont inversés. Donc tout va bien. Tout va bien, j'ai pas encore cramé des trucs. Voilà, ça fonctionne. Reviens ici, connard. Reviens ici. C'est bon. Et le celui-ci. Bon. C'est bon. Bon, faut que je trouve un moyen de souder ces merdes, moi. Faut que je trouve un moyen de souder ces merdes. Rentre là-dedans, toi. D'ailleurs, vous avez envoyé alors le message à... Hein. Comment il s'appelle déjà ? Ariel Myop, qui va me donner des conseils pour la tuer plus rapidement encore. Vu que moi, à côté de lui, je suis quand même un chirurgien. Hein. Alors, je vous laisse imaginer. Ah ! Ah, putain de bordel ! Oh, putain, tu fais chier ! Eh, hey, mais... Attends, putain, j'ai cassé mon câble de... Voilà, il est là. Il est là. Il faudrait que j'aille mouger, encore mouiller un petit peu mon éponge. Des fois, je parle pas, c'est pour me concentrer. Je laisse Russian faire des blagues. Hein. Allez, trois fois. Troisième fois que je me brûle. T'avais dit combien Et d'ailleurs, t'avais pas dit 4. Parce que je crois que je vais vite dépasser ton score. Et dire que des interrupteurs comme ça, j'en ai commandé une vingtaine. Parce que je les trouve super. C'est Dexter. Ah oui, Dexter, pas le psychopathe. Le môme. Avec une sœur chiante. Un petit peu comme. Attends. Je suis en train de voir si j'ai pas un truc plus performant pour. Tiens, une pompe à dessouder. Je vais te la donner, Russian, parce qu'elle me sert à rien. Et je suis sûr que t'adores dessouder des gens. C'est super comme truc. Une pince à sertir. Ça, c'est un bon truc pour sertir du RJ45. Tu peux assommer quelqu'un avec ça. Ça pourrait pas me servir, tiens. Y'a pas... Je pourrais pas le coincer comme ça, je sais pas. On dirait des trucs pour l'insuline. Ouais, c'est un peu ça. En fait, tu pompes et tu retires. Ça me sert à rien pour le moment. Je suis toujours à la recherche d'un moyen pour souder ces trucs efficacement, je tiens à avouer. Attends, j'ai peut-être un truc plus gros encore. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah non, c'est pour dénuder. C'est de la merde. Bon, j'ai un petit peu nettoyé la bite. Ah là, comme on est dans le milieu, là j'ai une belle bite. Je sais pas,
Pourquoi en même temps Ossiane parle de bits? On a une connexion nerveuse en temps réel, je crois. Tiens, je vais le mettre comme ça. Voilà, je l'ai bloqué contre le truc. Je le mets bien. Putain, j'allais souder le mauvais câble. Je me disais, elle avait plus la même gueule. Je me disais, j'ai failli cramer le truc. Non, mais c'est bien que je découvre que ces interrupteurs sont merdiques. Je les ai commandés hier. C'est mon pote américain. Pourquoi il nous a traité de pute? Et pourquoi il parle de stalker? Qui parlait de stalker? Je vous permets pas. Allez, découpe-toi, salope. Voilà. Arrêtez de parler. Bon, là j'ai une toute petite bite. Merci Russian, je sais, tu vas faire la blague. Voilà. Vas-y, coince-toi comme ça. Pourquoi tout le monde crie? Je sais pas. C'est une alerte à la bombe aussi. Oh. Un truc qui devait être super simple. Essayer de le refaire entrer dedans. Pourquoi vous gueulez là? Par contre, je comprends plus. Voilà, là il est dedans. Là il est bien dedans. Pas pour. Il est plus dedans. En plus, je suis en train de bouffer toute la vapeur toxique de l'étain dans la mouille. Y a rien de mieux pour avoir une espérance de vie de 35 ans. Bon là si ça tient pas, je vais chercher autre chose. Oh bah ça tient. Voilà. Ça tient difficilement. Voilà pourquoi je bosse depuis un quart d'heure à faire ces trucs de merde en espérant que la continuité existe, parce que si la continuité n'existe pas, je crois que ça, ouais, ça fait 30 minutes. Tu voulais prendre à quelle heure, Russian, déjà? A tout hasard. Le bip. Y a-t-il de la musique encore? Y a de la musique. Bon. Ah bah tiens, y a de la continuité. Tout fonctionne. Ouh. Bon, ça fonctionne. Donc à partir de là, j'en ai encore quelques-uns à mettre. Donc ce câble là on va le mettre là. Bah moi aussi après je pense que la soirée ça va être un petit peu bordélique, on va streamer à tout va. Ouais. Moi j'aurais bien juste terminé ce tout petit circuit avant quand même. Je vais essayer. Je vais essayer difficilement. Oh putain ça s'enlève. Y a vraiment un souci là avec leur truc. Y a vraiment un souci. L'éteint sur la connexion, donc ça va être plus simple. Ça devrait être plus simple, j'ai bien dit. Mais je vais avoir le coup de main au bout d'un moment. Hein. Ah, peut-être. Elle est montée sur Lego. Ouais, mais c'est une méga drive, ça fonctionne grâce à des Lego, tu savais pas? Bon, maintenant il faut que j'essaie de mettre du putain d'éteint sur les autres connecteurs. Voilà, un petit peu de fumée toxique. J'adore la fumée en plus. L'odeur de l'étain, c'est super. C'est orgasmique. J'ai pas vraiment dit ça. Hein. Voilà, on va le mettre là. On va mettre. On va le mettre ailleurs. Ah, on va le mettre là. J'avais essayé avec les bioniques. Le nickel, je crois.
C'est pas super pratique. Bon. En fait, à chaque fois que je bosse, je me dis il faut que j'achète une pince. Et après, j'oublie. Et à chaque fois que je rebosse, je me dis qu'il faudrait que j'achète une putain de pince. Avant de cramer ces putains de câbles. Il y avait un petit peu trop de putain dans cette phrase. Oh putain, le cap s'enlève en plus. Non, c'est bon. On va pas tenir bien longtemps, mais il est encore là. C'est le principal, que ça tienne. Rentre là-dedans, toi. Vas-y, rentre là-dedans, tu verras, tu es bien. Rentre là-dedans. Je me suis brûlé, quatrième fois. Je crois que l'estimation d'Yadar va se confirmer, hein. Ça tient. Miraculeux. On va remettre un second. J'espère que mon système va fonctionner. Que c'est au bout du compte, on veut générer des glitches. C'est quand même le but, quoi. Et donc, si à la fin, je suis charmé. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est Koussi qui vous fait de l'effet. Là, j'ai l'impression qu'il chauffe un peu moins. Faudrait peut-être que je le nettoie. Non, il n'y a pas assez de trucs là-dessus. Et là, pourtant. Voilà. Bon, là, ça devrait aller. J'en ai fait combien sur 6? J'en ai fait la moitié, là. J'en ai fait la putain de moitié. On va le mettre là. Puis... Oula, j'ai cramé quelque chose là, je crois. Ouais, c'est mon doigt. c'était mon doigt, le quelque chose. Ah mais là, c'est plus du courage qu'il me faut, c'est du matos. C'est pas. Je peux pas faire 10 miracles. J'ai essayé pourtant. À une époque, je transformais de l'eau en vin, mais les mecs étaient pas contents. Tiens, bah je peux mettre une cale. Tiens, on va mettre une cale. Ça sert à rien, mais au moins je suis content, c'est calé. On va mettre une cale. Comme ça. Voilà. Bon. On attaque l'interrupteur. On m'a dit qu'il fait douter des Chinois. Ils étaient fourbes. Mais pas à ce point-là, quand même. Bon. Ça marche pas. On va faire la technique à l'irakienne, comme on dit. Elle consiste à recruter des enfants. Yadar, tu sais manier un fer à souder? Un poste pour toi. Bah en fait, là, je mets mes lunettes parce que sinon, je vois rien en fait. Je crois que c'était l'explication la plus rationnelle du monde. Peut-être en essayant par là. Non, toujours pour. Mais il a l'air d'un violeur qui s'est soudé des trucs. Non, tu m'emmerdes là. C'est vraiment...
regarder si le truc tient. Ouais, il tient, mais c'est juste l'huile. Ah, peut-être comme ça, ça tiendra mieux. Je vous l'ai dit, on allait trouver des techniques. Bon, j'allais aussi dire que mes techniques, c'est un peu de la merde, mais... un petit peu de fer à souder qui pue. Ah! Non. Non, non, non. Ah, 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 ah! Oh putain, j'y suis arrivé! Non, je suis pas scadure non plus. J'arrive à voir à 6 mètres. Tout ça pour un putain. C'est un bon test, mine de rien. Que je sais que j'en avoir des trucs comme ça. Je vous les voyais plus. Les interrupteurs de ce genre, j'en avoir 35 à souder. À raison d'un interrupteur toutes les 46 minutes. Ah, il n'y a plus de musique. Ah, si! Il y a de la musique. Oui, de la musique, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Allez, plus que deux! Plus que deux, et on aura nos glitchs. Vous savez même pas ce que c'est. Voilà. J'espère que j'ai pas cramé la console. Attends. Je vais... Ah, la caméra a bougé, en fait. J'ai l'impression. Voilà. De toute façon, là, j'ai bientôt terminé les petits interrupteurs. Et on va passer au glitch. On met un petit peu... Voilà. Non, j'ai dit qu'on met un petit peu dessus. Donc tu vas pas me faire mentir, connard. Voilà. Ah, là ça va être bon. Non, j'ai rien dit. J'ai toujours rien dit. De toute façon, je dis rien, voilà. Je dis plus rien. C'est fou, n'empêche. De quoi? C'est une caméra. Est-ce que c'est de quoi vous parlez? Laissez-moi souffrir en silence. À m'intoxiquer. Ah, voilà, là c'est bon. Là, je l'ai mis sur sa gueule. Là, je brûle. Par contre, mon doigt brûle. Mon doigt brûle. Mon doigt... Tout ça pour rien. Ah, peut-être. Toujours pas. On va laisser un petit peu reposer le... Je vais éviter de crame quand même. Putain, c'est le dernier. Oh non, c'est l'avant-dernier. Et c'est bon, on aura enfin du glitch. Peut-être. Parce que là, pour l'instant, en bas à gauche, il n'y a rien. Oui, c'est un peu ça. Mais si je bougeais, en fait, ça allait déconnecter le truc. Il fallait pas que je bouge. Oh putain, c'est bon. Plus qu'un. Oh, une sacrée merde, n'empêche. Tout ça, j'espère qu'ils sont pas cramés. Hein. S'ils sont cramés, bah déjà ils sont cramés. C'est super chiant comme syndrome en plus. Rossiane, le mec il sent pas la douleur. T'as pas de notion du risque. Voilà. Bon, le dernier. Là, vous allez voir, j'ai cramé un des interrupteurs. Du coup, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Je crois que je serais très content. Et on va très vite partir sur un surgé pour tuer de l'arabe. Que ça va me calmer. Oh, c'est beau ça. Oh putain, ça c'est moins beau. Ah, oh, putain, j'avais réussi. Éteint, voilà. Je lis un petit peu ce que vous mettez de temps en temps quand même. Ouh, là c'est beau. Ça pue. Je sais pas ce que j'ai soudé là, mais c'était immonde. Par contre, ça, c'est le truc le plus moche que j'ai jamais vu. Je sais pas comment j'ai pu créer une monstruosité pareille.
Donc là, ça devrait fonctionner. Oh, c'est bon. Oh putain. J'y suis peut-être arrivé. Si les interrupteurs fonctionnent encore... je fais comment? Je teste en direct ou... je vais tester. On va tester les différentes connexions. Si ça fonctionne, je suis content. Ça fonctionne pas, je suis content. Je suis un peu con là pour... Par contre, l'interrupteur est à l'envers. C'est pas trop grave. Voilà. Bon. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. On va voir si les différentes connexions... Oh putain, c'est bon. Ah, je suis vaillant là. Oh putain, c'est bon. Tant que je n'arrache pas un déconnecteur. C'est bon. Oh putain, plus qu'un. Si celui-ci fonctionne. Si celui-ci fonctionne, j'ai terminé. Ah, c'est bon. Enfin, vous m'avez fait chier, interrupteur, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt résistants. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que les boutons comme ça là. J'en ai cramé 3 déjà. À cœur vaillant, on n'arrive rien d'impossible, Ossiane. Sauf si tu regardes Kaamelott. Bon, désormais, on va tester. On va tester en essayant de ne... Oula, pourquoi t'es froid, toi? En essayant de ne rien arracher, de ne rien connecter à l'aveugle. Et tout ça pour voir des images glitchées, quand même. C'est bien droit là? C'est bien droit. Et on va quoi? On va prendre quoi? On va prendre Rambo ou Sonic? Allez, Sonic. En essayant de ne pas arracher la carte mère. Ça c'est bon. Ça aussi. J'ai entendu un truc tomber en fait. Et le moment de vérité. Ça glitch. C'est pas normal. C'est quoi ce message d'erreur? J'ai une connexion qui se fait? Bien sur des positions 0. Moi je suis à 0 partout. Et si je choisis ça? Bon, en tout cas mes trucs fonctionnent, mais c'est l'état initial qui ne fonctionne pas. Comme si j'avais un truc qui touchait quelque part. Donc, qui arrive souvent, donc on va vérifier. Donc ça touche pas. Ça touche pas. Et ça touche pas. Il est joli comme glitch. Bon, c'est déjà ça, mais c'est déjà ça, c'est pas normal. Je sais pas si c'est à cause de ces... Ah, c'est la masse. C'est très joli, en tout cas, ce qu'on voit, là. C'est... attendez, où est ma souris? Je vais changer un petit peu les dimensions des du bordel. On va éditer. Voilà. Merde. Ça, on va le mettre en haut. Or, déplacer en haut, voilà. C'est très joli, ce qu'on voit. Mais le problème, c'est que c'est pas contrôlé. Et quand c'est pas contrôlé... T'es gueule, mon sang. C'est quoi, dis quoi, c'est la masse que je préfère. Ça serait donc... On va tester, on va souder en direct le truc le moins à fait. Ah non, j'ai pas envie de découper. J'ai pas envie de découper. Ça viendrait d'où? Attendez, on va essayer... Ah, peut-être. Si, attendez, je vois. Je vois peut-être, on va... Voilà. On va remettre les trucs à l'état initial. Voilà. Je regardais avec la loupe. J'ai peut-être une connexion qui se fait à l'arrière. J'ai peut-être une connexion. Ça, vous venez avec moi. J'ai pas envie que vous. J'ai pas envie de vous arracher. Bon! Je ferme ma mamie. Là, j'ai l'impression d'avoir une connexion. Une connexion qui se fait. Sans que je lui demande. Non, pourtant. Ah, si. Ah, voilà, c'était lui. C'est bon. En théorie, ça devrait aller. Il faut juste que je ressoute ce câble quelque part, on va dire. De quoi vous parlez? Non, de rien, c'est des conneries. Il faut que je trouve un endroit où le souder. Le câble, en fait, n'est pas droit. Donc, il touchait l'autre connecteur. C'est pas bien soudé.
La soudure est immonde, mais ça tient. Et donc quand ça tient, ah ça tient. Je suis à l'envers là ? Ouais, je suis à l'envers. Voilà. J'ai mes petits interrupteurs. On va le brancher. On va mettre ceci. J'ai dit on va mettre ceci. Il y a toujours de la musique d'ailleurs. Je regarde même pas. Et donc on va retourner sur la console en espérant ne pas faire exploser le truc. Et on se rebranche. C'est le moment de vérité. Ça fonctionne. Ah bah voilà putain. J'ai pas fait ça pour rien. Bon voilà, désormais on a un circuit que je peux actionner quand je veux avec différentes possibilités. Comme là j'ai 4 câbles et je peux connecter donc n'importe quel câble avec un autre. Et en temps réel bien sûr, c'est ça l'intérêt. Jusqu'à présent avec mes boutons là. Voilà, avec ça. Je sais pas si on va le voir. Voilà, avec mes boutons j'avais donc des positions prédéterminées, mais désormais avec les interrupteurs je peux les choisir quand je veux. Donc pour l'instant j'en ai que 4. Pour l'instant j'en ai que 4. Donc on peut pas faire énormément de possibilités, mais quand j'en aurai 30... Là c'est joli là, ça c'est cool. On peut voir, en fait le glitch, il détruit la génération du level. Donc on va attendre qu'il avance un petit peu. Là il avance, on le détruit, et poum, dès qu'on l'enlève, la génération est un petit peu anarchique. Et d'ailleurs on peut voir que le fond est très sympa là. Je le vois un petit moi, mais... Et donc on peut faire plusieurs combinaisons désormais. On peut faire ça, on peut le ramener là. On va faire ça, tiens. Et... C'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Bon c'est un peu de la bouillasse avec la connexion, mais... Knuckles qui est le meilleur personnage de jeu vidéo du monde. Dans Sonic bien sûr. Je vais lui envoyer de la masse, tiens. Tiens, prends ça, Knuckles. Ah c'est cool ça. Oh, c'était quoi cette image? J'essaie de trouver une bonne combinaison. En fait j'ai pas beaucoup d'interrupteurs. Ah là c'est cool par exemple. Attends, il va avancer. Que non, il n'y a pas suffisamment d'effets. Il n'y a pas suffisamment d'effets. Ah, cette connexion se fait plus. J'ai l'impression qu'un des câbles s'est coupé. Quoique non, c'est... attendez. Ah là, c'est cool. Là, il y a vraiment beaucoup de... On peut voir que les flammes, là, par exemple. Vous venez de voir les flammes, elles ont été remplacées par une autre texture. Ça, c'est cool. C'est le genre de truc que je peux faire. Je vois la matrice, là. J'aimerais bien voir si toutes mes connexions fonctionnent, en fait. Voilà. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et tout fonctionne. Je suis assez fier de moi, à vrai dire. On va aller voir un petit peu Rambo. Rambo qui a un gros jeu de merde, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais c'était merdique. Allez, Rambo. Voilà. On le lance. On va attendre un petit peu. On va trouver une combinaison sympatoche. Vous reconnaissez Rambo, là ? Rambo 3, qui est pas le meilleur des trois films, à vrai dire. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content, là. Je vais vraiment pouvoir faire plus tard des trucs sympas. J'aimerais bien que le jeu se lance, en fait. Ah, voilà. J'aimerais bien trouver une combinaison. Ah, là, c'est cool, là. Les personnages sont remplacés par des gros carrés. Oula, là, c'est super. Là, c'est n'importe quoi. Bon, ça vaut toujours pas les connexions que j'avais trouvées il y a longtemps sur les sur les boutons, en fait. Évidemment qu'il existe encore autrement. Ça c'est super cool comme effet. Bon, il faudrait qu'il se déplace pour générer du level, parce que là, c'est encore une version... Oh, vous avez vu l'explosion ? Tu peux faire un glitch pour être capable d'écrire Rambo 3 sur le même principe. Ou Ribéry. Je suis pas sûr, Ribéry, je pourrais tenter... On va tenter Ribéry. On va voir cet effet parce que je l'aime beaucoup. J'aimerais bien voir cet effet. Je vais éteindre le fer à souder. Je vais éviter John Ribéry. Voilà. Et donc là, on a une version imagée du combat de Rambo contre l'hélicoptère. Je le reconnais. Et on peut voir, il envoie les flèches. Rambo a toujours eu un arc, espèce d'abruti. Depuis le début. J'adore Rambo,
C'est mon personnage de fiction préféré. Enfin, presque. Du coup, il est quelle heure? À quelle heure voudrais-tu prendre, Lucien? Parce que moi, je pourrais continuer mes connexions, là, mais... Je viens de montrer les fondamentaux, à vrai dire. Donc, je vais attendre que tu répondes. Je vais continuer, moi, de... Je vais juste voir si j'ai pas un autre jeu. Tiens, Jurassic Park! Je vais chercher Jurassic Park, et pendant ce temps-là, tu me réponds. Alors, non mais je voulais une réponse, pas que tu te branles en fait, parce que je m'en fous un petit peu que tu te branles. Tiens, on va passer à la troisième playlist. Du coup, pourquoi ça s'est éteint? Ah oui, il n'y a plus de jeu, ça explique pourquoi. Je vais tester, on va tester Street Fighter en premier. On va voir si on arrive à faire des trucs sympas. Alors, Street Fighter, je vais voir mes boutons. Allez, prends ça. Vas-y, prends ça, salope! Oh, y a rien. Ah, c'est bon. Ah, je suis en train de... C'est sympa comme effet, ça, sur le Sega. Oh, c'est sympathique. Par contre, j'ai pas... Si, j'ai la manette, mais c'est pas super pratique. Ouais, c'est pas... Il est pas super probant, cet effet, en fait. Il est pas super probant. J'ai pas d'effet définitif, en fait. Un effet qui resterait... sans l'activation. Comme un effet de ce genre, en fait. Attendez, là, je vais toucher moi-même. Je touche moi-même les câbles. Je prends des risques pour vous. Voilà. Pourquoi c'est rose? Pourquoi c'est PD? S'il vous plaît. Voilà, attendez. J'aimerais bien avoir quelque chose. J'aimerais bien avoir quelque chose. Voilà, c'est pas mal, là. On voit pas suffisamment les personnages. Ils sont sous les glitches, donc c'est pas super... Ah, on voit quand même la Dokken, donc c'est pas mal. Et après, on va juste tester un petit peu. Bah, je crois que je vais m'arrêter là. Après, dans 10 minutes, on va s'arrêter. On aura streamé pendant une heure. On aura streamé du glitch. Du magnifique glitch. J'aimerais bien... Voilà. On va tester un autre bouton, tiens. Ou une autre combinaison. Vas-y, prends-toi ça. Oula. Oula, qu'est-ce que j'ai fait, là? Oula, je sais pas ce que c'est ce truc, mais c'est une certaine esthétique, j'avouerai. C'est atypique. C'est quelque chose d'atypique. Et donc, je vais vous montrer cet effet que j'aime beaucoup, en théorie. Voilà, lui il est cool. Voilà, on a réussi à glitcher uniquement le fond, et donc les deux personnages sont au-dessus des problèmes. Au-dessus des problèmes. Donc ça, je peux vraiment faire des images sympas avec ça. Ouais, j'aime bien. J'en ferai un tableau, Russian. Donc du coup, on va essayer un dernier truc. On va essayer Jurassic Park. Bah, c'est un peu le but, c'est Figaron, tu dis ça en rigolant, mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez émergent et de créer de nouveaux visuels. Donc là encore, c'était comme là, vous pouvez voir Street Fighter qui vient de passer. C'était jouable encore. C'était même parfaitement jouable. Donc Jurassic Park. Allez, prends ça, Jurassic Park. Allez. Là, je te fais mal. Là, j'espère que t'as mal. Je sais pas ce que j'ai créé, mais là, j'ai créé un enfant moche, là. Un enfant un petit peu mal formé. C'est pas ce que je voulais, mais je suis désolé. D'ailleurs, juste après, je mettrai un Sonic et on va essayer de jouer. À moins que le décalage soit beaucoup trop grand. Parce que si le décalage est beaucoup trop élevé, je pourrais pas jouer. Attendez, je veux générer un glitch. Putain de merde. C'est bon. Là il est cool. Comme il va avancer. Et que là on peut voir que le fond est désormais a pris une tournure assez... Ah, il s'arrête de jouer ce con. Attendez, je vais essayer de jouer moi-même. C'est pas super pratique de se brancher sur la carte mère en fait. Je suis en train de te violer là, j'ai l'impression. Et donc voilà. Je sais plus ce que c'est le mode. Ouais, c'est pas jouable en fait. L'écart est beaucoup trop grand.
J'ai glitché sans compter. J'aime beaucoup la référence, Nicolas. Je t'aime beaucoup, Nicolas. Tu es quelqu'un d'adorable. Et donc là, là, je suis prêt à glitcher sa mère. À glitcher sans compter. On lui envoie ça dans la gueule. Et voilà, c'est bon. Non, pas ça. Ça, c'est pas moche. Ça, c'est... Voilà, là, c'est mieux. Et donc là, on peut voir que le fond... Bah, je sais pas si vous connaissez le Jurassic Park sur... comment ça s'appelle ? Sur Mega Drive. Mais on reconnaît encore les structures, donc on peut parfaitement... Hop là. On peut parfaitement y jouer. Bon, le souci, c'est que c'est tout petit, là. C'est... Je suis en train de jouer avec un putain d'écran. Avec mon putain d'écran, là. Là, je suis tombé dans des pics. Bah là, c'est... C'est pas le flagrant pour les... Oula, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Donc on va vite fait aller sur... sur Sonic. Sonic, on reconnaît encore très très bien. Meurs, salope. D'autant plus que... Ce qui rend encore le bordel vraiment jouable, en plus de voir les structures du level, c'est que les personnages soient dessus des bugs. C'est super pratique en fait, donc on arrive constamment à voir notre personnage. Donc on va aller sur Sonic, on terminera sur Sonic, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Après j'irai manger avant de streamer avec Russian pour taper du taliban. D'ailleurs, Ocean, pendant que tu m'écoutes, j'ai peut-être trouvé pour ton problème pour Survarium. Ton mot de passe contient-il des chiffres? Si c'est le cas, il faut savoir que le pavé numérique ne fonctionne pas sur le launcher. Et donc voilà, on va tester un Sonic. Avec Knuckle, parce que je préfère Knuckle, moi. Voilà. J'aimerais bien arriver sur le level, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on va lui envoyer la sauce. Allez, prends ça, connard. Et on y va. On l'a... C'est pas le truc le plus beau que j'aurais effectué de ma vie de ma vie tout court, mais on reconnaît parfaitement, voilà, on peut voir la spirale, on peut voir les rings. Là je vais pouvoir monter, je sais plus ce qu'il y a en haut, tiens. Bon, c'est pas le jeu de couleurs le plus parfait que j'ai eu, j'ai déjà eu des résultats beaucoup plus sympathiques. Et vous pouvez voir, ah tiens, voilà, ça c'est cool ça. On peut voir que l'ennemi en fait a totalement été glitché, c'est pas un sprite qui est rafraîchi constamment comme notre personnage, c'est pour ça qu'il est constamment au-dessus des bugs, mais c'est vraiment un truc qui est chargé au début du level et qui n'est pas ensuite rafraîchi donc. C'est quoi ça? J'aimerais bien arriver sur un level bonus, vous voulez voir. Un level bonus avec ses bugs, surtout que c'est de la... c'est une sorte de 3D, c'est comme le mode 7 de la NES, c'est quelque chose d'assez immonde. Pour ne pas dire totalement dégueulasse. En fait, le principal souci, c'est juste que la définition n'est pas très très grande. Oula, merde. J'aurais bien arrivé dans un level bonus, s'il vous plaît. Je sais pas sur quoi j'ai marché, là. Je vous avouerai que je ne sais pas sur quoi j'ai marché. C'est pas trop grave. Ah oui, c'est un. Ça, je me souviens. Il faut monter là-dessus. Hop là. Bon, j'ai plus de ring. Donc, le level bonus, on va se le mettre dans l'oignon. Arrête de me balancer des... Des champignons, toi. Voilà. On va bien se capter. Et donc, on va essayer un petit peu nos boutons. Peut-être quelque chose de sympa. Oh oui. Attention. Je prépare le... Vous allez voir le purgatoire. Là, si vous êtes épileptique, faut pas rigoler. Vous allez mourir. Attention, je glitch. Je glitch. Je glitch, voilà. Bon. Regardez-moi cette horreur. Regardez-moi ce truc. Même moi qui adore les glitches et les bugs visuels, je trouve ça parfaitement immonde. En fait, c'est de l'aspect 3D, quoi. Je sais pas trop. J'ai pas envie de mourir, en fait. Hop là. J'aimerais bien continuer. Voilà, un petit bout. C'est dégueulasse. C'est parfaitement dégueulasse. Je le conçois. Vous allez mourir. Arrêtez de regarder ça. J'aimerais bien mourir. Oh putain. Allez, je veux mourir, s'il vous plaît. Voilà, je suis mort. Voilà. C'était les glitches. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je la remonte ou pas? Je sais pas si je la remonte. Je vais revoir un petit peu ceci. Non, hop là. Descends par là. Ah ouais, je m'en sors parce que je connais le jeu. Mais après, je conçois que c'est moche, quoi. C'est, là, je le conçois. Donc voilà, je vais démonter. Je vais plutôt tout remonter. Oh là. Et donc, Russian, je sais pas si tu vas prendre maintenant, on va le voir avec de la musique. En tout cas, moi, je veux grailler, parce que j'ai la dalle. Et voilà, c'était le circuit bending. J'ai rien cassé.
Je n'ai strictement rien cassé aujourd'hui, je suis plutôt fier de moi. Donc généralement, j'ai un bon ratio, on va dire. J'ai un beau ratio d'interrupteurs, je vais ranger le peu de câbles qui me reste, c'est vraiment mon souci, là j'ai plus rien pour connecter. Ma loupe, elle est là, interrupteur. Voilà. Je suis en effet en capacité de prendre avec de la musique. Bonsoir Arsène, t'inquiète pas, je reviens bientôt si tu veux m'écouter. Donc ouais, tout à l'heure, là, Roussian va prendre incessamment sous peu avec de la musique et tout à l'heure nous ferons du insurgé. Nous allons taper de l'arabe. Je vais pas remonter en live, ça va être un petit peu long. Je vais te laisser la place à Roussian du coup. Pendant que je range. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'en ferai d'autres. Si je trouve, si j'ai du matos surtout, parce que là je suis un petit peu à la dèche. Et en tout cas, le stream a très bien fonctionné. Et donc on va... qu'est-ce qu'on va faire pour la fin? Non, j'ai rien, j'ai pas de truc impressionnant à vous montrer. J'ai déjà tout déballé. Donc on va couper comme ça. Bon, allez, à tout à l'heure.